I need hydration. Bienvenue en 2022. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Oh, que je t'aime! Bonne année, Franklin. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. Je fais aucunement cette vidéo-là pour me vanter de ce que j'ai reçu. C'est juste que moi, personnellement, j'aime vraiment ça, écouter ce genre de vidéo-là. Puis je voulais juste vous dire que je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu. Puis que dans la vie, c'est vraiment les petites choses qui me rendent vraiment heureuse. Là, c'est pas obligé d'être des gros cadeaux qui coûtent cher pour que je sois heureuse. Donc c'est ça, c'était juste un petit avertissement. Je fais juste ça pour vous montrer, pour vous partager. Puis c'est ça. Donc c'est parti! Donc premièrement, je veux pas oublier de le mentionner parce que je le porte présentement, mais j'ai reçu ce petit collier-là par ma petite maman. C'est de la marque... Oh! D'accord. Donc c'est un collier de la marque Steelex, c'est en fait en stainless. Donc c'est fait en argent qui va pas noircir, c'est des bijoux de full bonne qualité. J'ai aussi un bracelet que je porte en tout temps dans mon poignet. Et justement, il a jamais noirci, fait que j'aime vraiment ça, les bijoux de bonne qualité. Donc ça, j'étais vraiment contente. Je l'aime fou, je le trouve vraiment beau en plus avec le... Ah! Oh! J'ai tanné! Tu me t'accueilles toujours dans l'écran, Franklin! Oust! J'aime vraiment la petite forme en forme de V avec une petite perle. Je trouve ça vraiment cute. Fait que, ouais, je l'aime vraiment. Ensuite, ma petite sœur m'a offert ce néon-là qu'on voit dans mon arrière-plan. Je le trouve vraiment beau. J'aime vraiment ça comme décoration, comme décor pour une vidéo YouTube, justement. Vous risquez de le voir quand même assez souvent. J'aime vraiment ce qui est écrit dessus aussi, des good vibes. Moi, j'aime vraiment ça, les vibes positives, pis tout ça, fait que je l'adore. Je trouve vraiment ça beau. Comme, ouais, je suis bien contente. Elle me connaît très bien. Ensuite, ma mère m'a donné une carte cadeau de chez Dynamite pour aller m'acheter ce que je voulais. Donc, j'ai pris ce bodysuit-là, blanc, et je l'adore. Comme si vous pouvez voir le matériel, c'est comme pas un matériel comme les chandails normales. Puis il est vraiment doux, puis je l'aime vraiment, je trouve vraiment qu'il est beau, puis qu'il fait avec tout. Ça peut être autant porté chic que comme casual, fait que vraiment un bon achat. C'est quand même moi qui l'ai choisi, mais ça reste que c'est dans les trucs que j'ai reçu à Noël, dans le sens où c'était une carte cadeau. Bon, fait qu'on l'a. C'est normal que vous voyez des fois la queue de feu qu'on passait, mais il est un peu dans les badges. Ensuite, j'ai reçu deux pantalons jogging de chez Lowly. La qualité de ce pantalon-là est incroyable. Je pourrais vivre dans ce pantalon-là. Je tripe. Donc, j'en ai en genre de mauve et en gris. I love them. Ma mère m'a offert ce truc. Ce sont des jelly beans épicés. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas que c'était des jelly beans épicés. Pourtant, il y a un petit gars qui a la bouche en feu sur l'image. Mais j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va être spécial. Ça ressemble un peu aux jelly beans dégueulasses qu'on a vu souvent passer. Mais eux, c'est épicé. Fait que c'est probablement une vidéo que je vais faire éventuellement où je vais utiliser ces jelly beans. Ça va être incroyable. J'ai bien hâte de voir. C'est par exemple, il y a habanero, cayenne, sriracha, jalapeno, carolina, raper. Donc ouais, j'ai bien hâte de voir. Ça va être une belle expérience. J'ai aussi reçu des films Instax Mini pour mettre dans mon Polaroid. J'aime vraiment ça, là. Je l'ai utilisé vraiment beaucoup cette année, plus que les dernières années. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut avoir les photos immédiatement après avoir pris la photo. Puis je trouve vraiment que c'est comme une photo unique parce que tu peux pas la reprendre plusieurs fois. Fait que c'est vraiment sur le moment. Puis j'aime vraiment ça, je regarde par là parce que je les ai achetés sur mon frigidaire. Puis je trouve que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Fait que c'est vraiment cool, ce paquet-là, il y en a 30. Puis il y a aussi des petits collants. Donc je peux coller les collants sur les... Alors, ça va? Fais cool! Hey! Fais cool! Ça suffit! Hey! Ça suffit! Tu gosses pas après les fils. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de l'utiliser cet été surtout. Un cadeau que je suis vraiment vraiment contente d'avoir reçu là, pis c'est une vraiment petite attention là, c'est comme les purelles de chez Bath & Body Works. J'en ai reçu comme plein de paquets, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai comme un petit sac où j'ai mis toutes les purelles. Pis ça c'est juste... Oh! Ça c'est juste une partie parce que j'en ai mis plusieurs comme dans mes manteaux, dans ma sacoche, sur mon comptoir de cuisine. Donc là, j'en ai partout. J'aime vraiment l'odeur de ces purelles-là parce que tu sais, on s'entend que présentement, en pleine pandémie COVID-19, mais c'est pratique de se désinfecter les mains. Puis des fois, les purelles, ils sont pas toujours très très bons. Donc, j'étais bien contente d'en avoir plusieurs. Je les ai mis dans cette petite pochette-là en plus. Fait que c'est vraiment cute. Ensuite, un de mes cadeaux préférés que j'ai reçu, c'est ce parfum-là. Il est incroyable. Il est si beau, premièrement. Là, il est vraiment beau. Puis dans le fond, j'écoutais une YouTuber qui disait que ça, c'était le parfum qu'elle utilisait.
Il s'appelle Good Girl, puis il paraît qu'elle me... elle disait comme quoi qu'il sentait vraiment, vraiment bon, puis qu'elle recevait beaucoup de compliments dessus, puis elle avait décrit l'odeur, puis je trouvais vraiment que ça m'appelait. Puis je l'adore. Il est un peu cher, mais je voulais avoir un parfum de bonne qualité, fait que je suis tellement reconnaissante de l'avoir, sérieux. Depuis que je l'ai mis à tous les jours, puis je suis amplement satisfaite. Ça sent tellement de bonne qualité, ça sent... c'est vraiment spécial, en tout cas. Je sais pas comment décrire l'odeur, ça sent comme une femme. Mais ça veut rien dire, fait que... Ensuite, un autre de mes cadeaux préférés que j'ai reçu, c'est le jeu We're Not Really Stranger. Si vous ne connaissez pas ce jeu, allez l'acheter tout de suite. Allez sur le site We're Not Really Stranger puis achetez ça. C'est incroyable. C'est un jeu pour apprendre... c'est un jeu comme sur le développement de soi, puis pour apprendre à connaître davantage les gens, vraiment comme en profondeur, plus que juste en disant... Bonjour, ça va bien? C'est quoi ta club préférée? Ben là, c'est vraiment comme pour en apprendre vraiment plus sur les gens autour de toi. Fait que moi, j'aime vraiment ça parce que je suis quelqu'un qui, à la base, aime ça faire des deep talks. Fait que ce jeu-là, ça va me permettre d'avoir des bonnes questions de deep talk pour apprendre à connaître vraiment mieux mes proches. Donc, si t'es une personne proche de moi dans ma vie, ben attends-toi à ce que une des prochaines fois qu'on se voit, on risque de jouer à ce jeu. Sois prêt. Si heureuse. J'ai reçu à Noël des Lululemon. Des leggings Lululemon. Je sais que pas des gens en ont probablement, mais c'est des leggings quand même assez chers. De très bonne qualité qui durent toute une vie, sûrement, pour prendre vraiment soin. Mais je sais comme si c'était un animal. Mais sans attention! Si on les scrape pas, là, si on fait attention. Donc, j'ai juste les noirs, bien simples, mais je les adore. Je comprends pourquoi que c'est autant populaire, parce que quelle bonne qualité. C'est des leggings que littéralement, on dirait une deuxième peau. Ils font vraiment bien, puis. Je les adore vraiment. Depuis que je les ai aussi, j'ai oh my god. Je les porte vraiment beaucoup, fait que je les aime vraiment. Et je vous recommande vraiment d'en avoir si vous n'en avez pas encore. Allez vous acheter des Lululemon. Moi, je suis la personne qui aime vraiment ça, avoir l'air bronzé. Surtout l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas vraiment possible d'avoir un petit teint. Donc, à la place de magasiner sa peau avec les rayons du soleil, j'ai reçu un... oh my god! J'ai reçu un spray tan d'Atso. C'est une compagnie vraiment populaire sur Instagram ces derniers jours. Puis j'avais vraiment envie de l'essayer parce qu'il paraît qu'il est vraiment simple à utiliser. Puis c'est le cas, je vous le confirme. Je l'aime vraiment. Premièrement, je trouve qu'il donne un résultat hyper naturel. J'ai d'autres spray tan que j'avais... c'était pas des spray tan, c'était pas un spray. J'avais comme une mousse pour le corps. Puis j'ai aussi une genre de crème que j'ai pour mon visage qui va comme bronzer ma peau. Puis celui-là, c'est vraiment mon préféré dans tout ce que j'ai utilisé. C'est vraiment, premièrement, c'est hyper simple à utiliser. Je fais ça comme ça, puis là tu shape, puis là tu sprays la face comme ça. Puis, c'est un résultat hyper naturel. Il n'y a pas des petites démarcations de spots bruns, plus foncés, plus pâles. Puis moi, j'ai la couleur comme clear. Il y a aussi la couleur dark. Clear, moi, ça fait mon affaire. Mais c'est sûr que clear, c'est beaucoup plus naturel. Là. Mais les gens me disent que j'ai de la bronzée. Donc, ça va paraître. J'imagine que dark, ça ferait un peu trop comme intense. Là, c'est vraiment comme si j'avais passé une journée au soleil. Je suis bien contente de celle-là aussi, sérieux. J'ai vraiment eu des beaux cadeaux cette année. Je comprends même pas comme... wow, merci pour vrai, merci à tout le monde. Le dernier cadeau que j'ai reçu, et non le moindre, ce sont ces jeans-là. Et là, vous pouvez vous dire, mais Lauriane, c'est des jeans vraiment beaucoup trop simples, tu sais. Des skinny, des jeans bleus, simples. Laissez-moi vous dire que c'est pas des jeans simples. C'est des jeans, c'est les meilleurs jeans que j'ai vus de toute ma vie. C'est les jeans les plus confortables que j'ai portés de toute ma vie. C'est mon copain qui les a achetés. C'est la marque Fit Jeans. Allez voir ces jeans-là. Oui, je sais, ils sont quand même assez chers. Mais je vous jure, comme... j'ai la misère à porter d'autres jeans maintenant que j'ai ces jeans-là parce qu'elles sont vraiment élastiques, comme stretchy. Je peux faire un squat, je peux faire la split, je peux faire des pirouettes, des flips, je peux faire n'importe quoi. Moi, j'adore les jeans comme ça. Puis, laissez-moi vous dire, c'est des jeans qui font des très belles fesses. C'est des skinny, c'est vraiment moulant. Mais je trouve que ça s'apparente un peu à des leggings, mais c'est vraiment la texture de des jeans, je vous confirme, ok? Faut vraiment que vous l'essayez pour comprendre, mais je vous le dis que si vous achetez ces jeans-là, vous ne serez pas déçus. Et pour vous donner une petite idée, je porte small. Dans le fond, pour la grandeur, il faut juste se fier à la mesure de sa taille. Donc pour le reste, les cuisses, les fesses, c'est sûr que ça va faire parce que c'est un matériel vraiment très élastique. I love them. Go get them. Là, le dernier item que je vais vous montrer, c'est pas quelque chose que j'ai reçu à Noël, mais je me suis dit que j'allais le mettre quand même là-dedans parce que c'est moi qui me le suis acheté pour moi-même à Noël. C'est important de faire des cadeaux aussi. Je l'ai acheté au Boxing Day et c'est
la brosse à cheveux séchoir Revlon. Ça fait vraiment longtemps que je la voulais, puis elle était en rabais, donc je l'ai achetée et je capote. Surtout pour mon petit toupette, là. C'est vraiment pratique pour comme le faire, pour lui donner un peu de volume. Ça fait environ ce que la coiffeuse fait avec un séchoir et une brosse ronde. Mais ce qui est un peu compliqué à faire quand on n'est pas un coiffeur ou une coiffeuse. Donc ouais, c'est une brosse en même temps être un séchoir. Je m'en défaire. J'avais déjà utilisé à un moment donné et je voulais vraiment en avoir une. Donc je la suis achetée à Noël. Donc merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite à tout le monde de passer une très belle année 2022. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!